messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Elle vient de lancer son troisième livre sous le titre de Salutations en poésie. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois Madame Louise Hudon. Madame Hudon, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lacasse. Bonsoir, madame. Après mon vécu en parapsychologie sorti en 2011, la poésie du médium sorti en 2012, voilà le troisième livre qui s'appelle « Salutations en poésie ». Moi, si je vous demandais quelle différence ou similitude qu'il y a entre ce troisième livre et les deux autres? « Salutations en poésie » et « La poésie d'un médium » sont deux livres uniquement de poésie. OK. « Mon vécu en parapsychologie est un récit de ma vie ». OK. Alors, je suis apte à écrire des récits et de la poésie. La poésie, c'est un genre littéraire qui comporte un art avec des strophes, c'est assez spécifique comme art littéraire. Okay. C'est pas de la poésie de narration écrite n'importe comment. Mm-hmm. Ça prend une syntaxe assez spéciale. Alors, la poésie est méconnue et je me bats pour la faire connaître au public. Comment on en vient à écrire de la poésie? On en vient à écrire de la poésie comme on a le goût d'écrire des chansons. Okay. Parce que nos plus grands chanteurs québécois et nos plus grands chanteurs français faisaient de la poésie. Okay. Et la chantaient. Alors, si vous aimez les chansons qui riment, vous aimez la poésie, sauf que la différence, c'est que vous la chantez. Et mes poèmes sont faciles à chanter parce qu'ils sont équilibrés. Ah, OK. Alors, à ce point de vue-là, ce sont des chansons, mais ce sont des poèmes. Il n'y a pas de musique dans mes livres. Alors, c'est autrement dit, est-ce que c'est libre à nous de mettre une musique dessus si on veut? Oui, mais j'ai un projet, je ne vous en parlerai pas trop, j'ai un projet de chanter mes poèmes ou certains de mes poèmes okay. et de les citer avec un fond de musique, de la harpe ou okay. du synthétiseur. Okay. Il se prépare une activité là-dedans. Je croise les doigts pour que ça réussisse. OK. Je lisais aussi dans mes notes que vous avez dédié cette œuvre-là à votre conjoint. Oui, Régent Trottier, mon conjoint que j'aime beaucoup. Il le mérite bien. Et d'ailleurs, j'ai un poème qui lui est spécifiquement dédié dans mon salutation en poésie, « L'amour avec toi ». C'est ma définition du mot « amour ». Et il l'aime beaucoup, et moi aussi, mm-hmm. personnellement. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est ma définition du mot « amour ». Oui, on en vient justement dans ça, parce que tantôt, on va prendre quelques poèmes comme « Amitié importante, amour ». Pour ça, on va revenir sur ça dans quelques instants. On dit que vos poèmes se veulent un message d'espoir et de réflexion pour la société. Oui. Ça veut dire quoi? Dans mes poèmes, il y a un message. Il y a des gens qui vont faire un poème, par exemple, sur la nature, mais ils vont parler simplement de la nature. Okay. Mais ma différence à moi, personnellement, c'est que mes poèmes se veulent un message de la philosophie de vie, des valeurs dont je tiens, que je veux inculquer à la société, non pas par obligation, mais leur faire savoir que mes valeurs à moi, c'est ça. Un message de réflexion, eh bien, j'aborde un sujet et je leur dis « réfléchissez à ça ». Ou je vais parler des traditions, par exemple, à Noël, mm-hmm. mais je leur dis les traditions que moi, j'ai vécues, voilà mes traditions, je vous les présente, réfléchissez à ça. C'est des choses à laquelle je tiens beaucoup dans ma poésie. Si je parle de la souffrance, j'ai un message concernant d'espoir pour ceux qui souffrent. Si je parle de douleur mentale, j'ai un message pour ceux qui sont en dépression, par exemple. Mmh. À la fin, j'ai un message, garder espoir. Donc, chaque poème est porteur d'un message. Oui, oui, oui. Alors, à nous d'aller le chercher, à nous de lire les poèmes, puis à nous de dire, celui-là, moi, il me concerne.
Celui-là, il ne me concerne pas. Celui-là, ah, tiens, ça touche un peu à ce que moi, je pensais. Autrement dit, chacun, chaque personne peut avoir un lien avec un ou quelques messages ou plusieurs messages dans votre livre. Voyez-vous, si je prends par exemple ma sœur Carole Hudon, elle souffre d'arthrite rhumatoïde, elle souffre beaucoup. Elle, c'est ta souffrance qui vient la chercher. Elle dit, Louise, ça c'est mon poème. Okay. Mm-hmm. Puis elle, ça va la chercher au plus profond d'elle-même. Et ta souffrance, je veux aller, ça peut chercher aussi quelqu'un qui souffre psychologiquement. Alors, si vous souffrez psychologiquement, vous allez lire ta souffrance, vous allez dire, c'est mon poème, ça. Okay. Si vous avez quelqu'un de votre connaissance qui souffre, vous allez lui lire ta souffrance, puis la personne va avoir plus de facilité à se confier. Okay. Alors, il y a un objectif c'est à ça. C'est ça, exactement, parce que moi, je lisais, parce que c'est un livre qui se lit bien. Oui, j'ai voulu... Mais c'est un livre... Je ne veux pas dire que c'est un livre qui se lit vite, parce qu'on ne lit pas des poèmes en vitesse. Ça s'analyse. Voilà, vous avez trouvé le bon mot. Ça s'analyse. Et, entre autres, moi, dans ça, il y en a que j'ai placé des noms, que je ne dirai pas, c'est sûr, mais je lisais un poème. Oh, bien, ça, c'est... Oh, mon Dieu, oui. T'sais. Alors, quand vous dites ici que ça se veut un message... d'espoir et de réflexion. Espoir, oui, et réflexion, beaucoup. 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 Puis, vous savez, je fais des recherches avant de faire un poème. Ah, bien, sûrement, sûrement. Comme si vous prenez Butine, petite abeille, par exemple. On va donner une... Butine, petite abeille, il y a un message philosophique à la fin. Mais à un moment donné, je parle des abeilles qui sont ouvrières, puis de la souveraine abeille. Puis ça dit bien, la souveraine va vivre 5 ans. Puis la petite abeille ouvrière, elle, je pense qu'elle va vivre 3 mois. Alors, regardez, Madame Hudon, moi, là, oui? Si vous me permettez, sans analyser vos poèmes, mais j'aimerais qu'on regarde ensemble... Quelques poèmes, et vous me direz comment vous avez trouvé l'inspiration pour ce poème-là. Quand on parle le poème « Amitié importante », l'amitié pour vous, c'est important? Oui, c'est très important. Je vais le prendre avec votre permission, là, pour citer peut-être une strophe ou deux. Une strophe, c'est comme un paragraphe, mesdames et messieurs. Vous reviendrez me voir, même sans aucun déboire, le rire à profusion à la moindre occasion. C'est qu'à un moment donné, on a besoin, ça dit qu'on a besoin de nos amis, mm-hmm. on a besoin de leurs épaules pour pleurer, mais après ça, revenez me voir, ça me fait tellement de bien, puis on va mm-hmm. rire ensemble. C'est « Vivez longtemps pour moi, je pense à autrefois, nos souvenirs d'antan, tout ça est épatant. » Alors, il y a des syllabes. Hein? Moi, okay. mes poèmes, là, c'est 6 syllabes par verset. Alors, c'est « je, tom, 6, 6, 6, 6 ou 6, 7, 6, 7. » Quand je dis équilibré, là, ça se lit comme ça se chante. On en revient à ce que vous disiez tantôt. Il y a un poème, l'amour. C'est important, l'amour, dans une vie? Oui, beaucoup. C'est la santé aussi, comme de raison. Mais je vais prendre l'amour. C'est parce qu'on ne pourra pas tout les prendre, madame, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup. Fait que c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'on va faire juste un survol, okay. si vous me permettez. J'ai passion permise, j'ai passion, okay. Ça parle de détruite la sexualité. Détruite par un mari, est-ce que c'est une violence faite aux femmes? Entendons-nous. C'est que parfois, je demande à mes lectrices et mes lecteurs, écoutez, vous voulez que j'écrive sur quoi? J'ai une de mes fans qui mm-hmm. m'a dit, « Louise, moi, je veux que tu écrives un poème intitulé « Détruite par un mari ». OK. Parce que moi, j'aurais jamais choisi ça comme titre, « Détruite par un mari ». Alors oui, « Détruite par un mari ». Ça semble négatif comme titre, mm-hmm. mais si vous lisez le poème, oui, c'est positif. Oui. C'est positif, oui. C'est exactement. Très c'est positif. Ça. Alors, exactement. Les femmes qui disent, « Moi, je suis détruite
lisez mon poème, puis vous allez vous rendre compte qu'il y a du positif là-dedans. Il y a un message d'espérance, il y a un message de réflexion. C'est oui. très, très profond comme poème. Dieu, que représente Dieu pour vous? Tout. Dieu est dans ma vie. Dieu, j'ai un poème sur Dieu. Oui, puis partout, je parle des anges, des archanges, de Dieu dans ma poésie. Je remercie Dieu à chaque jour. Tantôt, au restaurant d'où je viens, il y avait des personnes d'un certain âge qui étaient rassemblées pour parler ensemble. Puis je leur ai dit, j'ai été leur parler, on a ri ensemble. Puis à la fin, je leur ai dit, merci mon Dieu pour l'abondance. Ils ont dit, oui, madame, vous avez bien raison. Voyez-vous? Lara, c'était qui, Lara? Lara, c'est un titre, c'est un nom que j'ai pris ça comme ça, fictif. Mais c'est un poème que j'ai fait spécifiquement pour les hommes. Parce que les hommes disent, nous autres, les hommes, on ne se retrouve pas nécessairement dans la poésie. Alors, j'ai fait Lara, c'est un homme qui dit qu'une femme l'a séduite. Mm-hmm. Je me suis mise dans la peau d'un homme et l'homme parle à une femme pour la séduire et pour en arriver à la marier. Alors, c'est très mignon comme poème. Le train de ma vie. Oui. C'était quoi ce train-là? Le train de ma vie, c'est... je parle souvent de ma vie dans ma poésie. Il y a ma vie, il y a le train de ma vie, mais là, vous me prenez... regardez, on va prendre, parce qu'il y a une chose, moi, qui m'a impressionné beaucoup, les archanges. Ah, les archanges... Parce que les archanges, c'est une marche plus haute qu'un ange. Oui, c'est surtout l'archange Gabriel. Et voilà, c'est pour ça que ça me fait toujours plaisir. Je m'attendais à ce que vous me sortiez ça. Ça me fait toujours plaisir d'en parler, justement. Vous savez, M. Lacage, je ne sais pas si vous avez été à l'hôpital de la Serre dernièrement, mais sur chaque porte, il y a un message qui concerne les anges. OK. Puis les archanges, c'est un c'est au-dessus des anges. C'est une marge de plus, qu'on puis dit. Moi, j'ai 536 amis sur Facebook. Okay. Puis régulièrement, on parle des archanges. L'importance des archanges. Il y a des livres sur les archanges. Un archange a telle fonction, un autre archange a telle fonction. Alors moi, j'ai dit, bon, bien, si tout le monde parle des archanges à ce point, je vais en faire... Un poème oui. Surtout que dans ma religion, bien, il y a les anges, les archanges, et c'est important. Mon Dieu, le temps nous manque beaucoup, Madame Hudon. Je vais vous parler de quelque chose de précis. Il vous reste une minute. Une minute. J'ai fait un poème qui s'appelle « Le sapin de Noël », qui a été critiqué par une dame musulmane qui demeure... à Jérusalem. Okay. Et elle m'a dit que mes poèmes étaient des écrits de l'enfer et que ceux qui les liraient ne seraient pas bénis de Dieu. Ah, bravo! Merci. le sapin de Noël n'est pas anti-religieux. Loin de là. Mais moi, je l'ai lu puis je n'ai rien trouvé dans Non, c'est vraiment. C'est vraiment. Ça parle du sapin baumier qu'on met dans notre salon qui exactement. Sent bon. Oui. Et, c'est une coutume. Tout c'est simplement. Une coutume, oui, c'est une tradition. Oui. Oui, alors, je veux dire que je n'ai vraiment pas voulu mettre de l'anti-religion là-dedans. Que c'est... Si vous avez une critique. Négatif, puis des critiques positives. Oui, on passe par-dessus, oui. c'est mais aussi simple que ça. Mais j'ai bien dit à la madame que je respectais son avis. Oui, parce que chacun qu'elle, a droit à son elle demeure avis. Dans oui, un oui, pays oui. que ce n'est pas les traditions. C'est ça, voyez-vous, exactement. Puis de ça, au Québec, on en a de plus en plus. Oui, On ne s'étendra pas sur ça, comme non, on dit, parce non, qu'on mais, pourrait en parler mais beaucoup. Mais je n'ai pas voulu mettre de mauvaises intentions dans mon poème. 10 secondes seulement, un prochain volume. Oui, deux prochains volumes. Bien, j'ai commencé un autre volume en poésie parce que la poésie est encore on méconnue. On vous invitera, Mme Hudon, c'est tout le temps que nous avions. On vous invitera à venir présenter vos autres volumes, bien, ça va nous faire bien plaisir. Je vous remercie beaucoup, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest et la Jeune Chambre de commerce d'Abitibi-Ouest également ont conclu un partenariat. Alors, pour nous en parler, je reçois le président de la Jeune Chambre de commerce d'Abitibi-Ouest, Dynamo, M. Tommy Collard. M. Collard, bonsoir. Bonsoir. M. Collard,
On en a parlé, c'était des discussions, etc. On se demandait pourquoi il y avait deux entités, Jeune Chambre et Chambre de commerce. Vous êtes venu expliquer votre point de vue. Monsieur Langlois est venu également expliquer son point de vue. On en avait parlé aussi avec quelques personnes de la Chambre de commerce, dont de la directrice générale. Est-ce qu'il y a eu plusieurs discussions ou rencontres pour venir à une certaine entente de partenariat? Bien, je pense qu'on a eu, on avait toutes les deux, nos deux entités, on avait toutes les deux un désir commun Oui. de vouloir travailler ensemble. Donc, ça n'a pas été si difficile que ça et si long que Il ça. s'agissait un peu de s'asseoir et Oui, de c'est ça, parler, tout dans le fond. simplement. OK. On s'est dit, bien, par où qu'on commence, là? Puis, bon, on a décidé, on s'est assis ensemble, on a discuté deux, trois rencontres, là, Oui, puis OK. ça a été aussi simple que ça, là. OK. Toujours dans l'harmonie, c'est Oui, sûr. c'est ça. Oui, parce que ce sont deux entités qui se rejoignent, en fin de Oui, compte. C'est ça oui. qui arrive. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses que la jeune chambre faisait ou avait, que la chambre de commerce, mais il s'agissait de s'asseoir ensemble. Puis, on parle, et je pense que c'est très important de le dire aussi, M. Collard, on ne parle pas d'une fusion. On Non. parle d'un partenariat et il y a une grosse différence entre les deux. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on voulait faire, nous, c'est qu'on se disait, bon, oui, il y avait comme deux possibilités. Il y avait une fusion, il y avait un partenariat. On a regardé les deux options et on s'est dit, le partenariat pourrait être une belle opportunité pour l'instant, pour démarrer notre collaboration. Apprenons à faire des activités ensemble, Oui, à c'est se ça. connaître, à travailler conjointement. Et si ça va bien comme ça, demeurons en collaboration. Si on voit que le besoin de fusion est nécessaire, faisons une fusion. Je pense que c'est la première porte d'entrée pour une collaboration, ce partenariat-là. On va commencer, autrement dit, par s'asseoir à la même table. On Oui. va commencer par faire quelques activités conjointes. Oui. À ce moment-là, mais c'est là qu'on va voir si on peut faire un mariage, si on peut appeler Ben, ça de même, c'est un c'est peu ça? ça, dans le Oui, c'est fond. ça, C'est ça oui. qu'on. On va sortir ensemble un Et peu, hein? Puis voilà. après ça, bien là, si on décide que On oui, habitera il me ensemble ou semble pas? qu'on pourrait habiter ensemble, bien là, à ce moment-là, on fera l'autre pas, C'est en plein à ça. ce C'est ce qu'on moment-là. s'est dit. Puis je pense que jusqu'à maintenant, là, ça augure bien. Moi, je vais siéger sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie Abitibi-Ouest et M. Langlois va siéger sur notre bureau des gouverneurs. Donc, pour avoir Oh, et une constante échange. son de cloche de un et de Et l'autre. voilà. Puis, je pense que c'est bien parti, là. La Chambre de commerce est bien ouverte à ce partenariat-là et nous aussi. Donc, on pense que c'est vraiment pour le mieux. On a dit que c'était quand même un moment historique pour le monde des affaires de la MRC d'Abitibi-Ouest. On peut dire que c'est un moment historique? Bien, je pense que oui. Ça démontre que deux organismes qui peuvent travailler conjointement, on en connaît plusieurs organismes en Abitibi-Témiscamingue qui œuvrent dans le même créneau, puis qui sont toujours en compétition. Nous, ce qu'on s'est dit, bien, ensemble, on peut peut-être regrouper nos forces, puis être plus fort. Je pense que ce qui s'est passé dans le passé, bon, c'est fait, c'est passé. Maintenant, vivons dans le futur. Regardons qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour offrir une meilleure gamme de services puis de plus grandes opportunités à nos membres qui sont Exactement, conjoints. parce que c'était aussi, je pense, important. Il y avait deux entités qui se rejoignaient à À plusieurs égards, Les oui. tentacules étaient là, puis il s'agissait de les réunir un peu. C'était ça, parce qu'il y avait. C'est beau dire une question d'âge, mais moi, je ne pense pas. OK, jeune chambre jusqu'à 35 ans, qu'on disait, ou environ. Chambre de commerce, mais regarde, on va prendre 35 en montant, mais on peut faire un partenariat. Puis, parce que moi, d'après moi, peut-être que je suis complètement dans le champ, comme on dit, mais la question d'âge à ce moment-là, ça ne jouait pas beaucoup. Non, pas énormément. Ce qu'on s'est dit maintenant avec notre partenariat, quel élément on peut attribuer à la jeune chambre? Quel volet la jeune chambre va s'occuper? Quel Voilà. volet la chambre de commerce va s'occuper pour répartir C'est ça. un peu Oui, les exactement. tâches? Nous, Oui. on veut s'occuper du volet jeunesse, réseautage, accueil des nouveaux arrivants sans toutefois être en compétition avec la Oui. chambre. C'est vraiment
s'occuper plus de ce volet-là, la chambre de commerce, faire de la représentation au niveau politique, des choses comme ça. Donc, oui. Vraiment dire, ben, on a des forces, on peut ensemble les utiliser puis juste être plus fort. Il y a des volets qui vont rester à la jeune chambre, comme il y a des volets qui vont rester à la chambre de commerce à ce moment-là. Fait, et c'est, je pense que c'est tout à fait normal. Il y avait M. Langlois, qui est le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Abitibi-Ouest, qui a quand même qualifié ce partenariat de, j'ai trouvé ça bon, de retour du fils prodigue. Oui, ça, je l'ai trouvé bonne. Effectivement, moi aussi, quand j'ai vu ça dans les journaux, je me suis dit, oh, c'était quand même un titre percutant, mais on en a discuté, moi et M. Langlois, et puis on se disait, effectivement, ce qui s'est produit avec la Chambre de commerce d'industrie dans les dernières années, je pense que ça a été que bénéfique pour la Chambre. Ça l'a permis de se remettre en question, puis de se redire, bon, mais est-ce que la voie vers laquelle je vais, c'est la bonne? Est-ce que je dois réaligner le tir? Donc, en 2012, là, je pense qu'avec tous les changements qui se sont produits au niveau de la Chambre, il y a eu beaucoup d'évolutions. Puis notre partenariat, c'est un signe de cette évolution-là. Exactement. Puis c'est ça qui était important parce qu'on va en revenir aussi dans quelques instants. Il y a des choses qui ont changé à la Chambre de commerce et d'industrie. Mm-hmm. Puis si on dit que c'est un peu ça aussi qui a pu faire en sorte que ce partenariat-là arrive. Et puis... moi, j'aimerais juste qu'on revienne là, à la jeune chambre avant d'aller dans ces changements-là. Mm-hmm. À la jeune chambre s'était mise sur pied en octobre 2011 et puis officialisée en février 2012. C'est quand même très jeune encore. Oui. Alors, le but, c'était de regrouper les 18-35 ans, comme on a dit. C'était ça au début? Oui, c'était et ça. Et ça reste ça encore? Ça reste encore ça. Okay. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est une petite organisation. On n'est pas d'ampleur comme la Chambre de commerce. Et on est loin de devenir plus gros et de prendre leur place, comme on dit. Donc, on a organisé depuis le départ des activités principalement de réseautage pour les jeunes professionnels, les nouveaux arrivants, pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance envers leur milieu. Donc, c'est principalement là la mission de la jeune chambre. Et à ça, ben, on a greffé des conférences, d'autres petites activités. On disait que la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest ne répondait pas entièrement à vos besoins, à la jeune chambre. Qu'est-ce qui fait que ce partenariat-là, maintenant, va faire en sorte que ça va répondre à vos besoins? Bien... Présentement, on sent vraiment une grande ouverture auprès de la Chambre de commerce. Ils veulent toujours avoir notre pouls, sentir... Bon, vous, les jeunes, comment vous sentez ça? C'est quoi votre vision de la Chambre de commerce pour plus tard? Ils veulent vraiment nous impliquer, nous intégrer parce que, comme je discutais parce avec... Parce que vous n'êtes pas là que de nom, là. Non, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire attention, là. Comme M. Langlois me le disait, on est la relève de demain. Oui, donc, exactement. Ils n'ont pas le choix de nous impliquer dans leurs décisions, dans leurs activités. Donc, je pense que... ils se sont rendus compte comme de cet élément-là. Puis je pense que c'est vraiment bénéfique parce qu'ensemble, on va réussir à faire quelque chose de vraiment bien. Jusqu'à quel point vous allez être décisionnel avec la Chambre de commerce? C'est un partenariat. On va vous consulter, comme vous avez dit tantôt, mais on ne vous laissera pas de côté, là, c'est sûr. Donc, vous allez avoir votre mot à dire dans à peu près toutes les décisions de la Chambre de commerce. Bien, certainement, étant donné que je vais siéger sur le conseil d'administration, je vais faire l'intermédiaire avec la jeune chambre et la Chambre de commerce. Donc, je vais prendre part aux décisions, aux éléments qui sont pris. Et présentement, là, la Chambre de commerce a enclenché une réflexion stratégique sur son avenir. Oui, exactement. Et puis, je siège justement sur ce comité-là de réflexion stratégique. Puis, on peut vraiment donner notre opinion là, et prendre part aux décisions. Là. Dites-moi une chose, M. Crollard. Vous allez garder vos réunions à vous autres, la jeune chambre. La Chambre de commerce va garder ses réunions ou si maintenant, il y aura une seule réunion
de chambre de commerce et d'industrie avec comme partenariat la Jeune Chambre. Ou bien non, si vous allez, vous autres, continuer à avoir vos réunions mm-hmm. seules, la chambre de commerce seule, puis après ça, bien là, on fera ensemble des choses communes. Bien, présentement, étant donné qu'on parle d'un partenariat, M. Langlois parlait peut-être de partenariat évolutif, pour l'instant, un partenariat, bien, on a nos deux entités qui demeurent, okay. donc on a chacun notre conseil d'administration, mais... Ça reste comme ça pour tout de suite. Oui, ça reste pour tout de suite comme ça. On s'est donné comme objectif lors de la signature de notre partenariat, de se rasseoir une fois par année, puis de se redire, bon, qu'est-ce qui s'est passé durant l'année? Est-ce que ça a bien été? Est-ce qu'il y a un moyen de changer les choses? À chaque année, on a l'obligation maintenant de se rasseoir puis, ensemble puis de revoir comment ça a été les choses. Mais on va garder notre conseil d'administration, nos activités, mais on se force à... Autrement dit, à place de se regarder avec des gros yeux, on se fait des clins d'œil maintenant. Bien, c'est ça. À peu près ça. On a toutes les deux, nos deux organisations, oui. le désir de travailler ensemble. C'est ça qui est important aussi. Bien, c'est ça. Pour le bien commun de tout le monde. Oui, allez-y. C'était pas une fusion. L'opportunité de la fusion était là, oui, mais comme vous disiez tantôt, on voulait faire les choses tranquillement, oui, puis ça. Apprendre à se connaître, travailler ensemble. Puis, On dit que la donne a changé du principalement, bon, on parle de changement de garde à la direction générale. Ça, apparemment, ça y était pour beaucoup. L'arrivée de plusieurs nouveaux administrateurs également, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont greffées. Puis, on dit aussi l'amorce d'une réflexion sur l'avenir de la Chambre de commerce et d'industrie. J'en ai parlé avec M. Langlois ici. Et puis, c'est une réflexion qui va durer quelques années. Je pense que ce sont les trois principaux items qui ont donné une chance à ce partenariat-là. Effectivement. Sans tous ces éléments-là, je pense pas qu'on aurait aujourd'hui une belle entente comme ça. Tous les astres étaient alignés, je pense, oui. pour que ce soit pour le mieux. Là. Parce que j'en ai parlé ici en entrevue avec la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie. Puis, tout de suite, chez elle, on sentait ce désir de partenariat-là. On sentait qu'elle voulait travailler avec le président de la Jeune Chambre, qu'elle voulait travailler avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Puis chez elle, on voyait tout de suite qu'il y avait un mouvement que l'on devait faire, absolument. Je pense que c'était aussi une personne qui s'est impliquée beaucoup dans ce partenariat-là. Effectivement, puis on a déjà eu quelques rencontres là, de planification là, au niveau de l'avenir de la Chambre, de planification stratégique. Puis on a tout de suite senti, en tout cas moi personnellement, j'ai été vraiment étonné par ce renouveau, cette énergie-là qui renaît de la Chambre, là. Sérieusement, je suis vraiment épaté. Donc, on parle de partenariat qui pourrait possiblement en venir à une fusion. On ne sait jamais. Que l'on parle, mais comme on dit, on va sortir ensemble un peu avant de se marier. Et voilà, et voilà. Je vous remercie beaucoup, M. Tallard, puis longue vie à la Jeune Chambre et puis à la Chambre de commerce et d'industrie également, parce que une Jeune Chambre et une Chambre de commerce, on sait que pour le bien d'une population, c'est très important aussi. Effectivement. Je vous remercie beaucoup, M. Collard. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.